Un Hamilton a identifié ce qu'il ne voudra pas sur la Mercedes de 2023. Alors, le pilote ne veut pas que l'équipe abandonne le travail sur sa monoplace actuelle avant de se pencher pour se pencher sur 2023 dès maintenant. Je n'ai pas vraiment pensé à ça. Je pense que nous devons trouver ce qui ne va pas avec cette voiture avant de pouvoir en fabriquer une autre. Si nous commencions à fabriquer notre voiture, nous pourrions facilement nous tromper. Donc je pense qu'il s'agit de maîtriser complètement cette voiture, que nous n'avons toujours pas réussi à maîtriser, avant de pouvoir ensuite trouver une ligne directrice permettant de savoir quelle direction prendre. En revanche, ce petit champion du monde a déjà une idée de ce qu'il veut voir corrigé sur sa F1, la future W14. Il y a certainement beaucoup de choses que je ne voudrais pas de cette voiture sur la voiture de l'année prochaine. Donc, je les ai déjà mises en place. Très bien, bah écoutez, j'espère juste qu'ils vont trouver ce qui marche pas sur cette W13 pour pas refaire les mêmes erreurs l'année prochaine. Hein. Là, on peut faire une croix sur le titre hein, cette saison, évidemment. Mais bon, espérons que la deuxième partie de saison se passe bien. Peut-être un bon résultat à Silverstone pour leur course à domicile aux deux pilotes. Allez, ciao.